C'est l'histoire de la ville quand même là, l'industrie. Oui, on reste dans le textile. Alors, j'ai une petite question pour vous, Chantal. Oui. Est-ce que enfant, vous auriez aimé avoir un doudou que vous auriez dessiné vous-même? Non, mais j'avais un vieil ours très très usé, sans yeux d'ailleurs, il n'y a plus d'yeux. Mais pas personnalisé, c'est pas vous qui l'avez dessiné. Ma grand-mère avait fait des faux yeux, oui. Eh bien, vous savez que dans la région, c'était Chucky. Non, dans la région ALM, eh bien, une jeune femme qui s'appelle Sidonie, et grâce à elle, regardez, les enfants peuvent dessiner un petit dessin, le doudou de leur rêve, et elle les aide à le réaliser. Allez, direction ALM, découvrir ce doudou personnalisé. Le Nord, berceau de l'industrie textile, compte au milieu de ses cheminées d'usine une petite fabrique artisanale pleine de fantaisie. Une fabrique de doudous. Bienvenue à Elem, dans le paradis des peluches, où Maître Renard côtoie Minibou et Bobby le chien aux yeux en forme de bouton. Leur point commun, ils sont tous nés de la main de Sidonie, leur créatrice. C'est également une bienfaitrice, car elle réalise le rêve de tout enfant. Avec ses doigts de fée, elle donne vie à leurs dessins. Oui, ces doudous sortent tout droit de l'imagination des enfants. Sidonie se base sur leur coup de crayon pour faire de leur ami imaginaire un petit compagnon en coton. Et comme quand on était enfant, la belle histoire commence dans une malle au trésor. L'idée, c'est vraiment de partir d'un dessin d'enfant. Bon, là, celui-là, il était juste au trait, au crayon. Et de lui donner vie en textile, en objet textile, en doudou, pièce unique. Et d'être du coup vraiment le plus fidèle possible au dessin de l'enfant et de retranscrire tous les détails un maximum pour que quand l'enfant découvre la création, son doudou, il se dise « Waouh, c'est mon doudou, c'est moi qui l'ai fait quoi, quelque part ben ». Voilà, c'est vraiment un joli souvenir de l'enfance. Et la recette compte déjà quelques fidèles. Juliana et sa maman viennent pour la deuxième fois chez Sidonie après avoir créé un petit nounours il y a quelques mois. Alors, t'es contente de pouvoir lui faire son petit doudou? C'est beau de mettre un dessin en image réelle et pouvoir le toucher. Il a une histoire, ce doudou. Ah oui. Et donc là, on va faire un copain pour le doudou. Voilà. Bah, dis donc, ça va faire une sacrée compagnie à la maison. Hein. Aujourd'hui, Juliana veut donner vie à Piu Piu, un oiseau multicolore tout droit sorti de son imagination. Et à la vue du dessin, Sidonie a déjà quelques idées en tête. J'imagine déjà un peu toutes les couleurs de tissu qu'on va prendre. Peut-être un petit motif pour la tête, hein, pour rajouter des petites formes, du petit relief et tout ça, mais on va choisir ensemble. Hein, on va regarder. Parce que toi, t'aimes bien aussi hein, choisir les tissus et regarder tout ça. C'est donc l'heure cruciale du choix du tissu. Quelle peau Juliana va-t-elle choisir pour son doudou? Avec Sidonie, elle a l'embarras du choix, car elle possède un éventail de tissus de toutes les couleurs et de toutes les textures. Celui-là. Oh, celui-là, il a plein de couleurs. Non. On va voir, hein. On peut prendre déjà ces trois-là. Une fois les tissus repérés, Sidonie en agrafe de petits morceaux sur un calepin. C'est sa feuille de route. Juliana, elle, piaffe d'impatience. Dans quelques heures, elle pourra tenir son piou-piou entre ses mains. Mais pour en arriver là, Sidonie va devoir utiliser son dessin pour la découpe du tissu. Débute alors la fabrication du doudou. C'est cette partie-là créative qui est vraiment chouette aussi, quoi, de choisir parmi tous les tissus ceux qui seront le plus appropriés à retranscrire le dessin. Après, la partie couture, bah, en soi, c'est pas compliqué. C'est vraiment plus prendre le temps tranquillement de faire les choses comme il faut. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'au fur et à mesure, on voit le doudou qui commence à prendre vie. Et je commence vite après à voir ce que ça va rendre et c'est souvent, si à tous les coups j'adore. Et Sidonie met beaucoup d'amour dans ses gestes, car ses créations, c'est du cousu-main. Machine à coudre, ciseaux, épingle, avec seulement trois outils, elle réalise une merveille. Et quand le doudou prend forme sous ses yeux, c'est toujours la même émotion qui la saisit. Quand
quand je termine un doudou, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai un coup de foot, quoi, j'adore. Et c'est vrai que c'est toujours aussi... j'aimerais bien être une petite souris pour voir les gamins quand ils découvrent leur doudou, voilà, pour voir leurs réactions, etc. Dernière étape, le rembourrage en coton. Et après 4 heures de travail, Piou-Piou est vivant. Et voilà le résultat, le petit Piou-Piou. Le Piou-Piou de papier et le Piou-Piou tissu. Trop mignon. Dernier moment de complicité entre la créature et sa créatrice. Pour Sidonie, c'est toujours un petit déchirement très vite gommé par la joie d'offrir. Ta-da ! C'est super beau. C'est pour qui alors ? C'est pour... Sa peluche correspond tellement à son dessin que Juliana en reste sans voix. Ce qui touche particulièrement Sidonie. C'est vrai que c'est un super plaisir, quoi, aussi, du coup, de savoir qu'on a participé à un moment comme ça, familial, gay, et un peu dans l'affectif, etc. C'est plutôt appréciable, c'est sûr. Photo souvenir, hop. Devenue grande, la petite Juliana franchira peut-être un jour la porte de l'atelier de Sidonie pour la remercier de lui avoir donné un doudou tout droit sorti de ses rêves. Alors là, attends, Nathalie, c'est exceptionnel. Je trouve l'idée incroyable et la reproduction du dessin à l'identique. Très fidèle, ouais. Alors là, chapeau. Et bravo. Les enfants sont fiers de leur création générale. Et regardez, ils ont même leur prénom sur une étiquette. Là, c'est Nathanaël qui a fait ce petit zèbre multicolore. Vrai, ouais. Alors, toi, Hélène. Moi, c'est une petite Lali, apparemment. Oui, une petite Lali qui a fait un petit bonhomme tétard. Ça ressemble à un chat rose. Non, oui, nickel. Oui, si tu veux. Son petit bonhomme tétard. C'est très mignon. Toi, hein. Jean-Sep, t'es un petit monstre, dis donc. Ce non, petit c'est garçon, la photo de Jean-Sep qu'on avait envoyée et nous refaite. Voilà. C'est l'œuvre de Maxime. Maxime. Et pour finir, regarde ce que moi, tu as là, Lucie. C'est une petite Thalie. Voilà, qui a rêvé d'une petite route. C'est des bonnes idées. Dans la prairie. Et montre le dessin. Montre le dessin aussi, Lucie. Pour montrer, oui. C'est vraiment très fidèle. Oui, c'est incroyable. Hein. Est-ce que ça peut me donner une idée de faire quelque chose? De faire le petit quinquin avec mes amis qui sont derrière. Attention. Le petit quinquin, vas-y. Deux, trois. De ma petit quinquin, ma gros rouge, ma petit pouchard. Te fera du chagrin si tu ne dors pas jusqu'à demain. Bravo! Et ça continue, hein? Bravo, bravo. Et bravo Chantal, Chantal là-dessus s'il vous plaît, avec son petit quinquin, on ne pouvait pas faire autrement. Bah oui, on ne peut pas faire autrement. Et pour qu'ils... Nat, est-ce que je peux juste te poser une question? Dis-moi. Parce que là, on voit des dessins d'enfants d'ici, mais si j'habite ailleurs et si je suis loin, est-ce que je peux te l'envoyer? Eh bien oui, Nathalie, tu peux. Bon, ça compte, il faut compter à peu près un mois. Super. Non, mais c'est génial parce que vous prenez le dessin de votre enfant, vous l'envoyez. Mais ta fille est grande. Cadeau à Noël, le petit doudou. C'est pour toi. C'est quand même génial. Elle a un peu neuneux, c'est pour elle. Mais oui, moi aussi. Elle ne veut pas nous le dire, mais je crois aussi. Ouais, je crois que c'est bon, ça. Et ben on vous mettra tout sur France3.fr. Ouais. Pour ceux qui on a dessiné une petite fille avec une planche à voile, tu sais. Tu vois, une jolie blonde sur une planche. Tu peux me faire le même. Dis-donc, Chantal, oui. Tu as passé hier avec nous. Ce soir, jeudi, tu es au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Je suis bien, là, je resterai bien. Ah oui, mais il faut que tu rentres parce que tu as Nelson à jouer. Oui, j'ai Nelson. Hein, j'ai qui Nelson. Est la pièce de la rentrée. On te voit là. Sur l'affiche de cette pièce, c'est de Jean-Robert Charrier, c'est un carton absolu. C'est un carton absolu, on est ravis, cette pièce est tellement fraîche à jouer. Elle parle de nourriture. C'est une famille de végétaliens, ma fille veut faire de l'humanitaire, je veux partir avec des végétaliens purs et durs. Et moi je suis une bling bling avocate très désagréable, il y a des trophées de chasse partout, j'ai des fauteuils en cuir, j'ai une jupe de cuir, elle veut recevoir des végétaliens qui sont vraiment... Et puis alors ma fille... Quel désespoir pour une mère. Et Nelson, le titre de la pièce, c'est un petit lapin dans l'enfant. Voilà, que ma fille me fait adopter. Tu es trop mignonne avec le lapin. Mais oui. Mais oui. Et ça va être ce dîner, ça va être ce dîner qui va choquer en fait, ça va être le choc de ces deux familles. Il y a tout ce qu'il faut derrière, il y a Eric Logérias, il y a Armel, enfin il y a plein de gens autour de Mademoiselle Chantal Latsou au Théâtre de la Porte Saint-Martin dans Nelson. Tous les jours, deux fois le samedi, une fois le dimanche, c'est ce qu'on appelle les matinées. Et c'est le succès. Et lundi à Roubaix. C'est pas mal. Le lundi à Roubaix. Et voilà. Et voilà, la fille déboule à Roubaix, hop, elle fait un aller-retour. Des fois, hop, elle vient jeudi matin, nous fait une recette, elle repart le soir.